Ami Capricorne, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour ce mois de mai, ce joli mois de mai 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois d'avril. Alors les petites intros, la classique intro de début de vidéo, n'oubliez pas que ce tirage est général, il ne s'agit là que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer. Surtout parce que vous n'êtes pas réduit à la caricature d'un signe solaire, alors n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire par exemple. Surtout pour le sentimental, c'est quand même un petit point à aller voir. Justement, à la fin de ce tirage, il y aura un petit tirage sentimental d'affilée. Vous aurez un petit timer en dessous de cette vidéo qui vous indiquera son top départ. Et puis, on clôturera tout ceci... de deux coupes et maison Dieu. On clôturera tout ceci par une carte d'oracle. C'est parti. Pour nos amis les Capricornes, on y va. Alors, énergie acquise à l'entrée de ce mois de mai, amis Capricornes. Votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de mai. Cette d'épée va être bâton. Bon, petite capacité à agir sans qu'on vous voit. Alors là, il y a une subtilité. Vous avez peut-être travaillé l'énergie de trahison pour certains. Bon, bah ça a été, c'est une énergie à travailler, c'est sûr. Il faut passer le cap. Apprendre sur la question des informations. Peut-être vous avez eu peut-être envie d'agir à couvert un petit moment. Parce qu'il y avait quelque chose de nouveau qui vous intéressait, mais vous n'avez pas spécifiquement, vous n'aviez pas spécifiquement envie que ça se sache tout de suite. Vous avez eu un petit côté espionnage industriel, hein, presque, j'ai envie de dire, avec le valet d'épée et l'empereur. Il y a quand même quelque chose qui naît là, de ce fonctionnement, qui pourrait devenir assez beau, fantastique, fantasmagorique même, avec un pouvoir d'activation intense. Donc en fait, un petit chemin de traverse, sans que ce soit vraiment vu, un petit, ça fait son petit chemin, comme on dit, ça a fait son petit chemin. Pour d'autres, bon, on va voir avec les autres cartes, il a pu être question tout simplement de travailler des énergies de trahison, que vous ayez été trahi, que vous-même vous aviez produit ces énergies, parce que ça peut arriver aussi. On va aller voir. Votre énergie sur ce mois de mai, amis Capricorne. Cavalier de bâton. Alors, de l'impulsion, de l'impulsivité, de l'action. Alors, pas forcément par à-coup, parce que le cavalier de bâton ne tient pas trop sur la longueur. Par contre, il a tellement de sincérité que quand il y va, il y va. Alors, c'est peut-être pas votre énergie, c'est peut-être quelqu'un d'autre qui arrive comme ça de manière assez passionnée. Qui vous pousse un petit peu aux fesses. On voit que la reine de denier, vous avez quand même des énergies où vous êtes concentré quand même sur le matériel et le concret de votre vie, sur ce que vous voulez mettre en place. Mais vous rajoutez un peu de passion, un peu d'impulsion dans ce que vous voulez matérialiser. Une bonne énergie du mois de mai, on va dire. On va aller voir. Vous passez un cap parce qu'on avait le valet de bâton. Vous passez à l'énergie du cavalier de bâton qui tente, qui essaye des choses un petit peu plus intensément. On va aller voir sur ces énergies aidantes. Qu'est-ce qui va vous aider? Reine de bâton, mais disons, ce qui va vous aider, c'est le feu. Hein. Et l'idéal. Alors, re-rentrer dans un jeu de séduction, dans votre pouvoir d'attraction, dans l'idée d'être passionné par un sujet, d'avoir envie que les gens vous suivent, d'être, de travailler, oui, un pouvoir d'attraction, un pouvoir de séduction. Vous avez peut-être en face de vous aussi quelqu'un qui est vraiment dans des énergies de feu et de passion. Il y a du mouvement parce qu'il y a quand même pas mal de créations de mouvements avec des cavaliers. On porte un idéal, on porte une certaine idée romantisée de la chose aussi. Bah vous êtes vraiment dans des énergies de feu sur ce mois de mai. On va aller voir votre énergie basse, amis Capricorne.
5 d'épée. Bah oui, c'est sûr. Alors, passionné au point de mettre le bazar partout où vous passez, peut-être. Oh là là, de vous vraiment faire un... de gérer un truc par rapport à la morale. Alors, soit vous avez quand même un fond, au fond de vous, malgré toute cette passion, cette énergie, l'envie d'y aller, l'envie de séduire, le feu qui vous combustionne. Tout à coup, parfois, la morale vous fait un petit peu les gros yeux en disant « mais on ne fait pas ça en fait ». Alors, ça peut reprendre cette notion de trahison. Que ce soit vous qui trahissiez ou que quelqu'un vous trahisse, il y a le rappel à l'ordre de la structure, de l'ordre, de la valeur, de la morale, de ce que vous considérez comme juste, pas juste, qui vous dit « là, c'est... » Alors, ça peut être vraiment une prise de tête interne. Vous pouvez aussi avoir des complexifications si vraiment vous impulsez quelque chose de passionnel dans votre vie, qui a l'idée quand même de passer entre les gouttes, etc. Vous pourriez vraiment créer des tensions, des crises, des disputes. Il faut effectivement essayer de passer un cap par rapport à ça. Donc, gros boxon mental, quoi qu'il en soit. Peut-être pour certains, l'idée d'avoir envie d'en découdre tout à coup, les choses sont très claires pour vous au niveau de vos désirs, en tout cas, ou de ce qui vous intéresse, de ce qui vous allume. Ou alors, vous êtes face à quelqu'un pour qui c'est tellement clair que ça peut vraiment aussi vous perturber. Parce qu'à la base, vous n'êtes pas d'un naturel de feu, comme ça, les Capricornes. La finalité. On revient à vous, à la Reine de Denier. Ouf. Ouh là là, on remet un peu les pieds sur terre. C'est un peu... Vous avez le courage de passer cette phase. Vous êtes un peu fatigué à la fin du parcours quand même. Hein. Beaucoup d'à-coups, beaucoup de passion, beaucoup d'élan. Faire peut-être avec des gens qui sont très impulsifs aussi. Très dans la séduction. Après, on repart quand même sur l'idée de sécuriser, faire des choses concrètes. Ça a été très intense. Maintenant, on matérialise plus concrète. Oui, on matérialise. On sécurise, on prend soin. Plus sérieusement aussi des choses, de la relation, du projet. On met en pratique, on remplit des papiers, on concrétise, on prend des rendez-vous, on fait vraiment des choses dans la réalité de la vie sur la suite des événements. On va aller voir. On va aller voir. Matériellement, concrètement, votre énergie acquise, ami Capricorne, à l'entrée de ce mois de mai. De coupe. Valet d'épée, scène de bâton, roue de fortune. Ça se représente à vous. Il y a une réussite à la clé. Alors, vous travaillez le méga clan émotionnel. Vous faites partie d'un clan, c'était toute la question peut-être. Votre idéal aussi, des gens avec qui vous vibrez intensément, ça peut être méga clan familial, avec des gens avec qui vous vibrez de fait, méga clan amical, les gens avec qui vous vibrez aussi de manière évidente, le monde entier, les gens avec qui vous vibrez dans le monde entier, vous formez une communauté, un clan vibratoire. Vous portez un idéal, alors vous êtes en train de travailler ou vous agissez à couvert pour cet idéal. Il y a cette notion de valet d'épée, alors effectivement, peut-être que vous avez fait des choses nouvelles ou que vous avez cherché des informations nouvelles par rapport à ça. Il y a quelque chose qui va se représenter sur la suite. On va aller voir. Sur ce mois de mai, matériellement, concrètement. Ami Capricorne. As de coupe. Fin de cycle, nouveau cycle. Des échanges équilibrés, on passe un cap émotionnel à cette reine de coupe avec un émotionnel qui est capable de faire, attise la flamme. On a de nouvelles opportunités qui se présentent. Donc, fin de cycle, nouveau cycle. On finit un parcours qu'on a peut-être fait à couvert, qui nous a fait travailler des énergies de justement on avance sans que ça se voit, on fait des choses en passant par des chemins de traverse ou alors on a travaillé des énergies de trahison. Sur cette notion de méga clan émotionnel, on part sur un nouveau concept, sur un nouveau projet. Matériellement, ça peut être vraiment la fin d'un cycle, le début d'un nouveau cycle qui part sur les chapeaux de roue. C'est le feu, c'est intense, c'est rapide. On va aller voir la finalité matériellement, concrètement sur ces énergies.
3 d'épée. Bon, alors, c'est intense, c'est rapide, mais bon, au bout d'un moment, s'il n'y a pas la matérialité, ça peut poser problème. Donc, la réalité ne collera pas. Il va falloir mettre les choses dans la réalité. 3 d'épée, une réalité ne convient pas. Donc, bah, il va falloir faire plus sérieux, en fait. Vous avez vendu de la passion, vous avez vendu de l'action, vous avez vendu une complexification mentale, vous avez vendu un mois de mai chaud. Bon, au final, il va falloir que tout se mette en place un petit peu plus sérieusement. Je pense que la volonté est là, l'envie est là, la réalité ne collera pas. Il y a un petit échec au fait, au final, sur cette histoire. C'est pas grave, la reine de denier prend le relais. La reine de denier va retrousser ses manches, dire très bien, bon, on va faire des to-do list. On va mettre sur papier ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, comment on va le mettre en place, à quelle date, etc. etc. On va s'organiser parce que là, c'est certes sincère, certes intense, certes plaisant, certes de nouveaux départs, mais bon. Si on veut que ça tienne la route, très vite, il va falloir se coller à des choses réelles et concrètes. On va aller voir émotionnellement. Énergie acquise à l'entrée de ce mois de mai. Pour le petit cœur des Capricornes. L'empereur. Bon, alors, vous avez vraiment essayé de construire quelque chose, je pense que vous y avez mis. Effectivement, ça a touché à votre émotionnel, mais ça a touché aussi à votre... à la façon dont vous organisiez votre vie, structuriez votre vie, décidez de votre vie, de celle des autres, des gens qui étaient importants. Si on touche quand même au méga clan émotionnel, à votre idéal, il y a forcément des gens qui étaient importants dans cette histoire-là. La prise en main de la situation, la façon dont vous gériez votre vie, la structurier, peut-être sur un projet, parce que ça a pu toucher... là, on voit que matériellement, concrètement, c'est pas forcément amoureux, l'as de coupe. Hein, ça peut être aussi sur un projet professionnel ou sur une façon dont vous vous investissiez émotionnellement, dont vous vouliez incarner une énergie aussi émotionnellement. On est quand même dans la notion d'autosuffisance, d'avoir de la matière, de la richesse et du pouvoir sur la question. On va aller voir. Émotionnellement sur ce mois de mai, ami Capricorne. Le monde. Bon, ben on est à la fin d'un cycle, la boucle est bouclée et on part sur quelque chose de nouveau. Et on retrouve cette 7 d'épée. Alors on part sur un as de coupe, l'étoile. Bon. Quoi qu'il en soit, cette histoire devait se passer, cette aventure devait se mettre en place comme ça, se clôturer comme ça, la boucle est bouclée, on part sur quelque chose de nouveau ensuite, c'est rond, c'est plein. On peut parler de grossesse aussi, là, qui arrive de manière totalement imprévue, effectivement, et qui peut se poser problème, j'ai l'impression, puisqu'effectivement, là, sur la suite, on a quand même une réalité qui colle pas, qui fonctionne pas, c'est pas grave, on va décider de prendre les choses plus sérieusement en main pour la suite. Une 7 d'épée, un as de coupe, on va aller voir à la fin du parcours émotionnellement. De bâton. Ouais, alors effectivement, ça peut être un peu imprévu. Ça peut, c'est en fait quelque chose qui ne colle pas. Bon, de manière rapide là aussi. Vous êtes dans des énergies extrêmement rapides. Pas étonnant que vous soyez un peu fatigué à la fin de ce mois de mai ou à la fin de ce parcours. C'est peut-être des énergies qui sont très intenses, qui ne sont pas sur tout le mois de mai, mais enfin le plus gros à la fin, vous en ressortirez un petit peu fatigué. On vous monte sur une vague, c'est parti, il y a une fluidité mais qui avec une vitesse qui n'est absolument pas la vôtre quoi qu'il en soit, donc vous pouvez vous sentir déséquilibré, emporté dans une situation, des événements pas maîtrisables hein, de toute façon avec la 8 de bâton qui vous apportera de la matière, qui vous apportera aussi l'idée qu'il va falloir agir avec d'autres outils peut-être ou utiliser tous les outils que vous avez en votre possession, là potentiellement une énergie de reine de denier à la fin du parcours. Pour s'occuper des choses dans la réalité de la vie. On a quand même le roi de bâton qui est là en dos de deck. Donc, on est quand même toujours sur des énergies de feu, mais beaucoup plus ordonnateur, mature, décisionnaire. On va aller voir intérieurement, spirituellement. Ami Capricorne, votre énergie
acquise intérieure et spirituelle à l'entrée de ce mois de mai Valet d'épée, 3 de coupe, maison de Dieu, 10 de bâton. Bon, alors, de la communication, de la source d'information, des échanges. L'idée d'avoir envie d'en savoir plus. Il y a un petit côté chez ce valet d'épée, agir à couvert, mais enfin, essayer d'avancer sans qu'on vous voie, peut-être. Apprendre, vouloir savoir. Il y a vraiment cette curiosité-là, peut-être même jusqu'à l'espionnage, en fait. D'être sûr de votre fait avant de vous lancer. Donc, il y a cette tendance à tout vérifier sur quelque chose qui devait être léger, sur une création émotionnelle. Et là, tout à coup, il y a quand même une sorte de lourdeur. Alors, on va aller voir. Il y a eu de la communication. Beaucoup de communication, des échanges, des conversations qui vous ont appris des choses ou vous avez appris des choses aux gens aussi. On va aller voir intérieurement, spirituellement sur ce mois de mai. Cinq de coupe. Cinq d'épée. Quelque chose de passionnel qui est fini. Il y a une boucle bouclée peut-être qui arrive de manière rapide chez vous, intense, sur une histoire ou des échecs émotionnels passés. Vous traitez avec quelque chose qui s'est pas bien passé, qui a pu amener ou qui peut amener des conflits, des disputes, des prises de tête, des regrets. Mais on voit qu'émotionnellement, c'est bouclé. Ce mois de mai, vous faites vraiment la fin de l'histoire. Il y a quelque chose qui se passe pas très bien quand même, hein, émotionnellement. Il y a un regret, des échecs, prise de tête, un passage, un mouvement émotionnel à faire, l'idée d'envisager les choses autrement. On va aller voir la fin du parcours intérieurement, spirituellement. Ami Capricorne. Voilà, 6 d'épée. La reine d'épée. Bon, bah de manière aussi intense que votre mois de mai, à la fin, c'est très intense et ça se finit pas du tout comme vous l'envisagiez. Ça, c'est sûr. 10 d'épée, vraiment, c'est terminé. Mentalement, il y a quelque chose de dur quand même. Hein. Donc, on a cette trahison. La 3 d'épée, c'est une blessure de trahison aussi. Donc, il y a peut-être eu une trahison qui s'est passée là sans que ça se voit. Tout à coup, il y a une intensité là qui se passe sur ce mois de mai qui amène à faire émerger cette situation. Et ben, à la fin, on la matérialise sérieusement. On sait gérer le problème. Mais en tout cas, cette réalité qui ne colle pas, cette 10 d'épée, c'est vraiment la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et puis, ça va très vite. Au-delà de votre rythme. Enfin, pas du tout comme vous l'aviez envisagé. De manière totalement surprenante, ça va très très vite. On va aller voir le conseil. Et bon, une fois qu'on a cette 10 d'épée, allez, c'est terminé. Ouf, c'est terminé. Donc là, il y a un truc, on sait, c'est clos. On va pouvoir faire les choses sérieusement, de manière plus fraîche, nouvelle, pour la suite. Le conseil, ami Capricorne. Le jugement, l'étoile. Bon. De toute façon, conseil, acceptez. Là, il y a une seconde chance possiblement pour certains de récupérer des énergies qui n'étaient pas forcément très claires pour pouvoir les clarifier. Les clarifier, donc voir les choses, faire les choses comme la vie vous les présente, c'est-à-dire confronter votre réalité à la réalité de la vie et le résultat sera ce qu'il sera, mais en tout cas, ça sera clair. Il y a l'idée de se réactiver sur une seconde chance, de reprendre le pouvoir, d'avoir une vision, d'accueillir en fait une information, d'accueillir une prise de conscience, mais juste de l'accueillir parce qu'elle est là, parce qu'elle se présente maintenant. Donc, il faut être ouvert par rapport à ça pour pouvoir en capter tous les bénéfices.
Donc, pas se refermer, pas se prendre la tête. Capter les bonnes énergies. Vous êtes au bon endroit de toute façon. C'est le bon moment, quoi que vous en pensiez. Il faut garder une énergie de feu, c'est sûr. Mais avec l'empereur, ça touche peut-être à vos projets professionnels, hein, tout simplement. Bon, accueillez le déclic, accueillez l'imprévu. L'imprévu est là exactement au bon moment, au bon endroit pour vous. Même si ça peut piquer à un moment donné, le jugement, c'est l'évidence, la prise de conscience, l'information, la situation qui crée quelque chose, en tout cas, qui vous réveille aussi. Et c'est absolument parfait comme ça, même si c'est pas comme ça que vous l'aviez envisagé. On va aller voir émotionnellement. Âme Capricorne, émotionnellement. Hop, on va faire trois cartes. Non, on va commencer par l'énergie générale, l'aide, le challenge, la finalité. Trois cartes pour les couples, trois cartes pour les amants fous, trois cartes pour les célibataires. Et une carte d'oracle, âme Capricorne. Ce roi d'épée. C'est parti. Alors, votre énergie amoureuse, sentimentale, émotionnelle pour ce mois de mai, ami Capricorne. Et de bâton, 6 de bâton. Bon, vous êtes plutôt plein de feu, ça on le voit. Ouvert, conquérant, et curieux. Ça vous donne envie. Vous êtes stimulé, vous êtes enthousiaste, vous êtes virevoltant, papillonnant, expérimentant. L'énergie aidante, ami Capricorne. Amoureusement, émotionnellement, sur ce mois de mai. Sept de bâton. Tenez le coup, tenez le coup. Parce que effectivement, la 8 de bâton, après, ça va partir. Vous êtes combatif, vous lâchez pas l'affaire, vous vous laissez pas faire non plus, vous n'êtes pas trop sûr que vous êtes capable d'aller jusqu'au bout du concept, mais en même temps, si vous n'êtes pas trop sûr, vous ne le faites pas trop voir et vous maintenez vos positions. Combatif face à l'adversité, face à ce qui vous paraît remuant, remué, flou, pas net. On va aller voir votre challenge, énergie basse, ami Capricorne. Au mois de mai, la grande prêtresse, la force. Il y a des choses qui sont cachées, il y a de l'intuition, mais vous voulez pas spécifiquement écouter votre intuition. Alors je pense que là il y a quand même quelque chose qui se joue à couvert. Si c'est pas vous, c'est forcément quelqu'un d'autre, et ça va jouer sur vos énergies à vous au final, on le voit. Donc si vous le sentez, ben, c'est dur, mais il va falloir quand même être capable d'écouter votre intuition sur le sujet, de ressentir les choses telles que c'est vraiment, de ne pas s'imaginer des choses, mais d'être vraiment dans la réalité du ressenti juste, qui n'est pas une illusion. Et c'est là que c'est compliqué pour pouvoir comprendre où se trouve la bonne réponse. Mais c'est en vous et pas ailleurs. Savoir aussi ce que vous voulez par rapport à ça, du coup, une fois que vous aurez cette bonne réponse, cette bonne intuition. Et la finalité, six de coupe. La finalité, revenir à l'équilibre émotionnel, à la justesse, mais aussi considérer que ce qui était bien. Mais c'est passé, c'est du domaine de la nostalgie, la douce nostalgie, mais bon, c'est quand même fini, donc il va falloir continuer à avancer différemment. On est aussi sur la justesse et l'équilibre relationnel, émotionnel, quelque chose de plus juste dans les échanges émotionnels. Donc on est quand même beaucoup plus sincère dans sa communication émotionnelle avec l'autre à la fin du parcours. On va aller voir. Trois cartes pour les couples. La plupart d'un couple. Trois cartes pour nos Capricornes en couple sur ce mois de mai.
9 d'épée. De coupe, sept de deniers. Bon, il y a des angoisses sur quelque chose que vous idéalisez. Patience, patience. De toute façon, on voit qu'il faut revenir à quelque chose de plus pratique, plus concret, parce qu'on voit qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas comme vous l'entendiez. C'est pas forcément grave. De toute façon, je sens pas que c'est des énergies. Sur ce mois de mai, les Capricornes, vous n'avez pas des énergies si intenses que ça, finalement. Donc, patience, faites le point, attendez, voyez où ça vous mène. Là, il y a des angoisses parce que vous portez vraiment un idéal important. Faites le bilan, comptez vos points, comptez ce que vous avez, voyez ce que vous allez pouvoir mettre en place sur la suite. Restez dans la réalité parce qu'il faut revenir quand même à une réalité objective, hein, je pense, hein, avec tous ces deniers. Bon, de toute façon, le mental, là, c'est que de la projection négative, mais c'est absolument pas la réalité. C'est des angoisses, par contre, c'est sûr. On va aller voir le conseil Capricorne en couple. Cavalier d'épée, chariot, faut avancer, avancer de manière quand même plutôt triomphale sur la question. Vous avez un mental qui de base est soit anxiogène, soit chaotique. Bon, alors l'idée c'est quand même d'y mettre un coup, de recréer du mouvement, que ce ne soit pas stagnant ou que ce ne soit pas bactériologiquement... J'allais dire, voilà, que ça ne fournisse pas quelque chose de toxique au final pour vous. Faut avancer, faire le point. C'est aussi avancer, mais c'est avancer de manière concrète, pratique. Quand vous comprenez qu'il va falloir savoir quels sont vos moyens, ce que vous allez pouvoir mettre en place pour la suite, c'est être actif. Même si vous n'avez pas l'impression d'avancer énormément sur la question, ça vous met quand même dans une action. Donc voilà, et surtout quand même faites attention à la brutalité de certains propos, parce que la vitesse n'est pas celle qui vous convient, les événements sont imprévus, etc. Et vous pourriez peut-être avoir des réflexes un petit peu violents verbalement. On voit quand même que de manière centrale, votre objectif, c'est l'idéal d'un clan émotionnel qui vibre positivement. Donc c'est pas forcément de dire des choses méchantes aux autres non plus. Mais restez actif quand même, restez dans le mouvement. On va aller voir trois cartes pour nos amours flous, en couple, pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires, les je pense à quelqu'un, mais c'est très compliqué, nos capricornes en amour flou. Sur ce mois de mai, trois cartes. Quatre de bâton. Cinq de bâton. C'est bien, on progresse. Bâton. Bon, bah, c'est vous qui prenez les choses en main là-dessus, pas de souci. Un jour après l'autre, une étape après l'autre. Il y a eu l'étape de la stabilisation, il va y avoir l'étape de la stabilisation. Un événement vous fera dire que c'est bien, vous êtes bien au bon endroit avec les gens que vous aimez, la personne que vous aimez. C'est plutôt pas mal et du coup, vous passez à l'étape supérieure qui recrée un chaos. C'est pas grave, il faut remettre les choses en ordre, ce qu'on désire, etc. Mais ça dénote quand même une avancée. On passe du 4 à la 5. Donc après, on repassera à la 6. La 6, ça sera la réussite sur un petit chaos qui n'était pas de si grande importance, si ce n'est un vrai problème d'écoute pour se remettre vraiment sur le même ton chacun. Et il y a un roi de bâton qui est là pour ordonner tout ça, qui a quand même la maturité. Si ce roi de bâton, que ce soit vous ou ce soit l'autre, il y a quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui sait comment le mettre en place et qui a conscience que tout ça fait partie d'un processus et que c'est pas si grave que ça, tant que les désirs des uns et des autres sont quand même toujours sur la même ligne au final. L'important, c'est ben, un peu comme les couples, ce méga clan, la construction de cet idéal.
De manière très concrète, il peut y avoir un événement festif marquant qui peut amener des complexifications dans votre vie, qui peut amener un boxon. Alors, tout était bien cadré, vous étiez persuadé que c'était très clair et très bien dans votre vie au niveau de vos désirs. Ça ramène du bazar. Il va falloir reprendre le dessus sur ce conflit, sur ces petits conflits, ces prises de tête qui sont peut-être internes au niveau de vos désirs. Et vous concentrez sur l'essentiel, hein, ce que vous voulez vous profondément construire dans votre vie au final. On va aller voir le conseil Capricorne en couple. Ah, en amour flou, mais peut-être en couple, mais en amour flou sur ces énergies. As de denier. Bon, ben malgré tout, saisissez l'opportunité. Saisissez ces opportunités. Saisissez les occasions. Voyez où ça vous mène. C'est toujours intéressant de toute façon de rester dans l'action, dans les occasions offertes. Même si ça recrée un petit boxon, il faut rajouter une pièce dans la machine. Il faut rajouter une pierre à l'édifice si vous voulez que ça avance. On va aller voir. Une pièce après l'autre. On va aller voir trois cartes pour les célibataires. Capricorne, célibataire, trois cartes pour ce mois de mai. As de coupe. Deux de denier. Roi de coupe. Waouh. Reine d'épée. Bon. Mais il y a quelque chose de nouveau qui naît. C'est les tout débuts. Il y a cette idée quand même d'avancer un jour après l'autre sur cette histoire-là, de voir, de saisir toutes les occasions, un peu comme les amours flous. On a quand même une énergie de maturité à la fin du parcours, on le voit, ce qui reprend cette énergie de reine de denier qu'on avait aussi à la fin du parcours, qui dit bon, c'est très mignon, toutes ces émotions, toute cette passion, toutes ces actions, mais enfin bon, on va quand même s'occuper de savoir ce qu'on va manger ce soir. En tout cas, il y a quand même un truc un petit peu plus mature et concret à la fin du parcours. Et le roi de coupe est là aussi, donc dans cette maturité émotionnelle, pour savoir bien gérer. En fait, l'idée que si vous avancez sur ce chemin, sur ce mois de mai, émotionnellement, avec une toute nouvelle source de vie, d'envie, de création émotionnelle, un jour après l'autre, ça sera largement suffisant pour vous sembler, vous allez pouvoir gérer. C'est comme ça que vous allez pouvoir gérer, en fait. Il n'y a pas de souci. Et ça vous apportera, vous aurez l'impression d'avoir vachement bien géré avec l'énergie du roi de coupe. On ne vous en demande pas plus, en fait, sur ce mois de mai. C'est vraiment ça. On ne vous en demande pas plus. Le conseil. Grande prêtresse, 6 de bâton. Gardez les choses comme ça. On ne vous en demande pas plus. Donc, ne le criez pas sur tous les toits. Avancez sur votre chemin. Faites ce petit parcours intérieur. Ce nourrissage de savoir un petit peu sur les choses de la vie. Que vous êtes en train de développer là, ce petit parcours intérieur, vous allez sortir victorieux de cette situation. De toute façon, il n'y a pas de souci, vous allez pouvoir en sortir avec les honneurs, vous serez plutôt fiers de vous à la fin de ce parcours. On va aller voir le message d'oracle. J'arrive à récupérer toutes les cartes pour vous. Message d'oracle sur ce mois de mai, ami Capricorne. Là, mon dieu, elle a sauté, mais sauté. Allez, ce mois-ci, vous êtes un AOL. À travers les rayons lumineux de mon aura, je regarde le dessin de ma voix terrestre avec courage et enthousiasme. Comme la lumière créée par la parole, je porte le message de la volonté qui relie les cœurs désunis pour les harmoniser en cœurs éveillés. Je veux réussir ma vie quotidienne sans contredire mes élans humanistes et spirituels. Je m'élève en renonçant au superflu,
au nom essentiel, j'entends alors le rayon cristallin des louanges de mon cœur, source initiale qui me guide pour retrouver l'unité primordiale. Je suis la recherche de l'unité intérieure et je m'en remercie. Je vous souhaite un très beau mois de mai, amis Capricorne, et je vous dis au mois prochain.